à la suite des bavures policières qu'a subi le journaliste Hassan Elioudi, j'ai parlé avec le numéro 1 de la police nationale à l'instant et il m'a délégué le porte-parole de la police pour qu'on fasse le point sur la situation qui s'est passée. Nous condamnons fermement ces bavures policières, que ce soit le numéro 1 de la police, des enquêtes immédiates pour identifier les policiers qui sont à la base de cette situation et ils seront sévèrement sanctionnés. Nous continuons de suivre de près. J'ai discuté avec patient qui a été libéré et qui a reçu les biens qui lui ont été pris. Il reste, je crois, un après l'autre. On suit de près avec la police et nous tenons à rappeler que la sécurité de journalistes est une préoccupation majeure pour nous. Merci. Yeah.
Vous arrêtez. Eh, chargez. Ah, faux gêne. Il y a d'autres filmés, père.
Arrêtez patient, on l'a mis dans la brutalisée, je vais vous faire la femme prendre son téléphone et puis vous protéger. Ah, ma bouffe qui est tombée, on l'a mis dans ma cabane, mais quand il a mis tout en bas, on va laisser le tenailler. Oui, parce qu'on peut faire un tirage avec Fayoulou, on a tout dit que c'est un tirage, vu qu'elle a forcé à le mailler, on va le brutaliser, nous faisons son âne, tout ça. Pardon? Destination?